En ce début d'année 2024, il m'appartient de vous présenter tous mes vœux. En mon nom personnel et au nom de la municipalité, j'espère que cette année sera heureuse pour vous-même, pour votre famille et pour vos activités professionnelles. Ces années 2024 pour la commune sera une année importante au cours de laquelle nous continuerons notre modernisation. Nous accélérerons la transition énergétique, la transition écologique et nous ferons en sorte que la ville soit de plus en plus animée. Animée, elle l'est. Vous l'avez remarqué probablement, cette animation qui est de plus en plus importante dans le centre de Chaville en particulier. Dans le micro-centre que nous avons mis en place à l'Atrium, dans lequel des commerces sont en train d'ouvrir. Et cette animation, elle se manifestera encore plus à l'occasion des Jeux Olympiques. Plusieurs épreuves passent par notre territoire. En printemps en particulier, la célèbre Côte des Gardes, qui, je le rappelle, est à Chaville. Et cette Côte des Gardes qui sera connue grâce à cela dans le monde entier, grâce au marathon, grâce aux courses cyclistes. Et nous aurons l'honneur de recevoir ainsi des épreuves importantes des Jeux Olympiques. Ce sera l'occasion pour nous de les préparer. Et de les préparer avec, en particulier, la participation des enfants de l'ensemble de nos écoles dès le début de l'année 2024. C'est 6 mois d'activité importante, 6 mois d'animation. 6 mois d'animation qui se concluront évidemment par ce feu d'artifice, en quelque sorte, hein, que seront le passage des épreuves dans les rues de Chaville. Et puis la modernisation. La modernisation de la ville se continue. Elle est importante. Vous savez que c'était un de mes enjeux essentiels depuis de nombreuses années. Cette modernisation qui est en partie accomplie, mais qui évidemment n'est jamais terminée et ne sera évidemment accomplie de façon réelle qu'à partir du moment où nous aurons la requalification de la départementale 910, l'avenue Roger-Salingros. Cette avenue Roger-Salingros sera requalifiée à partir de la fin de l'année 2024, c'est-à-dire à l'issue des Jeux Olympiques, les travaux pourront commencer et c'est évidemment un moment important. Modernisation qui se fera également grâce à tous les aspects de la transition écologique, de la transition énergétique, rénovation thermique en particulier. Nous allons moderniser l'Atrium. Ce bâtiment qui est désormais un peu ancien, qui a une trentaine d'années et qui accueille des événements culturels importants, qui est une sorte de quelque sorte de phare culturel de l'ensemble de notre secteur, de notre territoire. Eh bien, ce bâtiment va être modernisé en 3 ou 4 ans. Désormais, le conseil territorial, après le conseil municipal, ont voté le transfert de gestion à GPSO, à la communauté d'agglomération, qui est maintenant un territoire, et qui va pouvoir accomplir plus de 4 millions de travaux sur ce bâtiment important, en particulier sur la façade, sur l'intérieur bien sûr, avec la rénovation thermique, mais également sur la façade. Et ça va changer complètement le visage de Chaville et le visage de ce quartier. Modernisation, c'est aussi ce que nous allons apporter pour les enfants. Les travaux pour la cuisine centrale que nous allons mettre en place pour une meilleure alimentation, pour assurer la garantie de l'alimentation, justement, pour nos enfants de l'ensemble de nos écoles, les travaux de la cuisine centrale vont commencer cette année. Là aussi, un moment important pour la modernisation de Chaville. Modernisation qui s'accomplit dans de nombreux domaines, mais qui ne peut se faire que grâce à la maîtrise. Maîtrise de nos moyens financiers, maîtrise en particulier de l'endettement. Nous avons un endettement qui aujourd'hui est largement inférieur à celui de beaucoup d'autres communes. Maîtrise de la fiscalité. Nous avons une fiscalité qui est totalement maîtrisée et vous l'avez vu encore cette année, contrairement à beaucoup d'autres communes en France. Cela, c'est en partie, évidemment, grâce à vous, grâce à l'adhésion que vous avez, grâce à la volonté que nous avons ensemble de faire en sorte que Chaville soit année après année une ville plus agréable à vivre, plus agréable pour accueillir de nouvelles familles. J'en suis heureux et je vous dis une fois de plus, j'espère que cette année pour vous sera excellente. Tous mes voeux à votre famille et tous mes voeux à Chaville.